2024. Oh, Bosso, c'est chaud. Le jeune homme-ci que vous voyez ici était le mec de celle-ci. Que vous voyez là. Où on va l'appeler, ou c'est Njansan, ou c'est quoi, ou c'est la Watt, ou comme elle boive même maintenant pour devenir Watto. Je ne sais pas. Donc, le monsieur que vous voyez ici vient d'être tchoukou-tchoukou à. Par celle-ci. Maman, c'est le buzz ou c'est la réalité? C'est chaud. Sa copine, ici même à Yaoundé, au quartier Menon, à cause des dos, de l'argent, des pognons. Je vais lire, hein? Je n'invente pas l'histoire. C'est Mento qui vient de partager cela ici au quartier Menon. Bon, je préfère dessiner. Parce qu'elle veut dire qu'elle veut lire, on va dire que Franco ne sait pas lire. Je dessine et après, je vous donne mon commentaire. Écoutez très bien. Violence conjugale. Yaoundé Menon. Une fille vient de Ndé à son copain qui lui a refusé de l'argent. La ville du crime semblait avoir observé un moment de silence depuis quelques jours jusqu'à ce matin. Au quartier Menon à Yaoundé, hier soir, s'est produit une bagarre lors de laquelle une fille a asséné un coup de poignard à son copain. Selon les témoignages, la fille n'aurait pas supporté que son copain lui refuse de l'argent. La fille était partie de Douala ou Yaoundé à la rencontre de la maman du gars. Après avoir dîné avec sa, entre parenthèses, belle-mère, elle, Nora, son fils, quelques instants plus tard, la jeune femme a été capturée par les gendarmes. Hey! On demande à nos jeunes sœurs de travailler. On demande à nos jeunes sœurs de se battre. Elles veulent seulement la vie facile. Quand on les écoute, certaines disent que Dieu les avait déjà donné le capital. Les avait déjà donné un fonds de commerce. Quoi? Le couetou. Donc, elles préfèrent vendre leur couetou pour avoir de l'argent. Voilà donc. Vous pensez que si cette jeune dame, ou c'est une jeune, ou c'est une maman, ou c'est une petite, vous buvez maintenant certains trucs pour devenir même jeune quand vous êtes vieille. Je ne sais pas. Donc, cette dame-là, que vous voyez là, a arraché la life d'un boy à cause de l'argent. Parce que le boy lui refuse, donc le boy refuse de lui donner de l'argent. Hey! Ma, donc le boy là était ton père. Je m'interroge juste, hein. C'est ton père. Même si c'était ton père, donc tu peux qu'il aime ton père s'il ne te donne pas les dos. Je ne comprends même plus la société d'aujourd'hui. Hein. Donc tu ôtes la life à un boy qui l'a refusé. T'es mort, tu es normal, non? Tu n'étais pas à l'école. Tu vis pour le boy là. C'est même, vous prenez même souvent quoi? Moi je m'interroge même. Hein. Travaillez, vous ne voulez pas travailler. Apprenez à faire quelque chose. Cherchez vous-même vos propos. Pourquoi vous avez passé votre temps à compter que sur les hommes? Mes soeurs, cherchez à faire quelque chose. Toutes ces filles qui passent le temps à pleurnicher derrière les boys là, franchement, arrêtez et mettez-vous au boulot. Quand toi-même tu as ton travail, quand un homme te rencontre, quand tu as ton boulot, rien que ton boulot l'impose le respect. Oui, on sait que l'école a refusé certains. Ou certains. Mais ce n'est pas seulement l'école qui est la vie. L'école ne peut pas te refuser. Même le travail te refuse, mon frère. Même si tu n'as rien dans la tête. Il y a même la couture, les simples coutures, même là, qu'on fait. Les coutures de basse classe, là, dans le bricolage, là. Aujourd'hui, j'ai regardé une petite vidéo d'un comédien là qui m'a tellement fait rire. Il disait dans sa vidéo qu'il ne comprend pas comment il passe son temps au chantier. Il charbonne. Il a les dos. Quand il pouvait avoir ses dos, une petite l'appelle en disant que pardon, j'ai besoin d'argent urgentement. Kawandak, tu as besoin de mon argent urgentement. Donc depuis, je souffre pour avoir là. C'est ça là que tu as besoin de ça urgentement. Hein? Les filles,
Non, vraiment. Revenons à celle-ci. J'ai publié ça. J'ai republié, je voulais dire, parce qu'on ne sait jamais. Demain, comme elle a tes mains, celui-ci, demain, ça peut être ton tour. Donc, j'ai dit que bon, les gars, regardez alors l'image et faites gaffe. Parce que non, j'ai de go aussi. Gars, pour les dos, mais encore même un autre motif. C'est vrai qu'il n'y a pas de motif pour la mort, mais encore un autre motif. Hey, mon frère, dans le bol était ton porte-monnaie. Les gars, vous comprenez là, ça a même un sens. Sérieux, ça a même un sens. Je vous donne les mains. De toutes les façons, chers soeurs, frères et sœurs, je vous invite à aller vous inscrire au centre de formation VTI Mana pour apprendre à faire quelque chose. Ne serait-ce que même la beauté, coiffure, même la coiffure, que ce soit homme, que ce soit femme, coiffure mixte, soigne des visages, tout ce qui concerne la beauté, c'est situé ici à Djelensing, à côté de la maison Saint James à Bafoussam. C'est le meilleur centre de formation actuellement en ce qui concerne la beauté. Je vous conseille vraiment. Mais c'est... S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.